Salut tout le monde, bon dimanche matin! Je sais que pour plusieurs d'entre vous, vous êtes sous la neige ce matin, j'espère que vous en êtes heureuse et que vous vous débordez de joie parce que nous on était sous la pluie pas mal toute l'avant-midi. Mais comment on s'enneigeait? Je sais pas, hey, ils sont vraiment gros! Hein? Malheureusement, c'est de la neige fondante qui va fondre. Mais peut-être, il annonce 2 cm. Ouais, mais parce qu'il fait vraiment froid, puis en ce moment, il mouillerait s'il ferait pas froid. Ouais, mais c'est pas grave. Peut-être qu'on en a un petit peu quand même. Hein? C'est normal. C'est normal. J'espère que je vais dans la neige tantôt. Ah, ben là, je pense pas qu'on joue dans la neige. Là, je cherche mon café. Ah, il est là. Ok. Ouais, fait que là, il est 10h45 déjà, c'est une journée... Hé! Regardez comme quand on regarde là-bas! Regardez là-bas, il neige de plus en plus! Bon, ok. Attends un petit peu, mon amour, j'aimerais juste filmer, ok? Charlie? Un petit peu. Fait que c'est ça. Moi, hier, je suis allée à mon clair de lune, j'ai soupé chez mes parents. J'étais à mon clair de lune, j'ai expliqué chez mes parents avec la famille, ben, la famille du bord à ma mère. On les voit pas full souvent, fait qu'on s'était organisé une petite soirée sans enfants. Fait que Alex est resté ici, mais dans le fond, toutes mes cousines sont venues sans leur conjoint. Fait que c'était le fun. Je suis revenue, il était minuit. Ouais, c'est ça. Puis quand je suis revenue, mon oreille était complètement débouchée. Je sais pas si c'était dû au fait que la musique était vraiment forte. Mon Dieu, j'étais chevelée. Mais c'est comme complètement débouché. Mais là, ce matin, il est encore bouché, mais c'est beaucoup moins pire. Fait que là, j'ai l'impression que ça va déboucher ou que faudrait peut-être que j'aille faire un tour au CNC pour qu'il me nettoie comme il faut. Puis peut-être que j'ai un bouchon qui est pris ou en tout cas. Mais mon nez aussi commence à aller mieux. Mon Dieu. Mon nez commence à aller mieux aussi. Je suis moins jamais. Mais juste là, je commence à faire des sinus fringues, je mets la cortisone, puis. On va voir, mais mon oreille s'en vient beaucoup mieux. Fait que c'est ça, hier, c'était vraiment le fun. Je suis vraiment pas très bonne aux quilles. On l'a confirmé hier. J'avais hyper mal aux doigts, là, genre ici, puis ici, puis ici. En tout cas, c'était des grosses boules. On joue aux grosses boules. Puis, moi, je suis forte comme un poulet, là. Fait que j'avais de la misère à lever les boules. À la fin, là, on riait parce que je faisais juste comme les laisser tomber. J'étais même plus capable de les soulever. Ouais, c'est ça, fait que c'est le fun. Faudrait faire ça plus souvent. On se disait qu'on allait se voir là, entre Noël et jour de l'an. C'est ça, on se voit vraiment pas souvent. Tu sais, pourtant, on habite toutes dans la même ville. C'est juste que, tu sais, du bord à ma mère, je sais pas, là. Pourtant, ils sont proches, là, mais. Je sais pas, c'est différent. Mais à chaque fois qu'on se voit, on a tout le temps vraiment du fun. C'est vraiment du monde de party. Ah, mon ongle! Mon ongle, il est resté pris dans le crack de ta chaise. En tout cas. Fait que là, ce matin, c'est ça. Je me suis levée, il était, je sais plus quelle heure, là, puis vers 9h, je pense. Les enfants se sont levés tard aussi, pis ben, tard. Relatif. Non, pas tant. Non, chef, c'était de bonne heure, mais elle ne l'a pas dit. Mais Alex, il a couché super tard hier. Eliott s'est couché, il était 9h. Puis Charlotte s'est couché à 11h. J'étais pas contente, là. J'étais vraiment pas contente parce que Charlotte, quand elle se couche trop tard, elle est pas du monde. Fait que ce matin, c'était pas le fun, puis j'imagine que la journée va être comme. Faut faire attention, là. Faudra pas trop la chercher parce qu'elle va péter une coche. Puis c'est ça. Fait que là, moi, je bois mon café. Je suis en train de mettre un vlog en ligne. C'est le vlog du 16. Puis j'aurai le montage du 17 à faire aussi que j'ai pas fait. Hier, j'ai pas vlogué, mais comme vous avez sûrement constaté dans les derniers jours, je me mets plus de pression à vlogger à tous les jours. Je me mets plus pression non plus à mettre des vidéos en ligne à tous les matins à 6h, mettons. J'y vais comme ça vient, mais tu sais, je vlog pratiquement tous les jours quand même. C'est juste que je veux plus me mettre de pression. Genre, tu sais, si mettons, il y a un soir, j'ai pas le goût de faire du montage, ça me tente pas d'être obligée de faire du montage. Je sais pas si vous comprenez. Ou si je vois que j'ai comme trop de retard dans mon montage, ben c'est sûr que je vais passer une journée sans vlogger, parce que me donner une chance, mais tu sais. Ça n'enlève pas le fait que je vais être super présente et que je vais mettre le plus de vidéos possible, le plus souvent possible, puis tu sais, ça change rien. C'est juste qu'il n'y aura peut-être plus nécessairement de vlog à tous les jours, à tous les matins, tu sais, mais je pense que c'est correct aussi comme ça, là, parce que, ben c'est ça. Mais le vlogmas, ça arrive, de toute façon, le vlogmas, je vais le vlogger au complet, comme un vrai vlogmas, là, je vais faire un vrai, de vrai vlogmas. Tout
les jours. Fait que c'est ça, je vais prendre ça. Je me donne la chance dans le mois de novembre de prendre des petits breaks pour me tenir à jour. Fait que là, c'est ça, je mets un vlog en ligne, je fais ma miniature pendant que je vous parle, c'est pour ça que je suis comme concentrée là. Aujourd'hui, c'est la part de Noël à la télé. Allô Charlie, qu'est-ce que tu fais? Ce soir, c'est la part de Noël qui joue à la télé. Fait qu'on va écouter ça. Les enfants voulaient manger des crêpes, fait qu'on va faire des crêpes, on va manger dans le salon. Ça va être notre petite journée spéciale. Puis c'est ça, ça va être une belle journée. Est-ce que j'allais dire aussi? Il y avait d'autres choses que je voulais vous dire, il me semble. Ouais, ça va être une journée meal prep. Je veux couper mes légumes, couper mes fruits. Je veux vraiment ça cuisiner un peu, mais j'ai pas fait de plan de match. J'ai comme toutes mes recettes que je veux faire. Je vais faire ce que j'ai le temps de faire, puis si j'ai pas le temps d'en faire 5-6, ben j'en ferai 2-3, c'est pas grave, là, je vais en faire comme je peux. Puis c'est ça, puis là, moi, je regarde la neige tomber, puis c'est beau, puis j'aimerais bien ça qu'elle reste un petit peu, mais là, elle a l'air de fondre pas mal. Mais tu sais, il fait tellement pas froid dehors que... C'est ça. Bon, ben là-dessus, je vais vous dire une bonne journée, puis on va se parler tantôt! Salut! Là, c'est des gros flocons! Yeah! Et ça fond même pas! Ah, là, c'est beau! Ça fond même pas! Ok, je crois qu'on est un petit peu trop gaga, là. Ouais. Oh, c'est beau! J'espère que papa va voir ça. Je pense que papa, il s'en fout. Moi, ça oh, regardez les gros flocons! Maman! Oh! Maman! Quoi? Là, mon papa, il va péter tu penses? Maman, là, mon ça fait rire! On capote, on capote! Wouh! Lélia, tu peux chanter ta chanson? Vive le vent, attends. Vive le vent. Attends. Non, tu veux pas chanter? Attends. Quoi? Est-ce que c'est beau, Eliott? Oh. Ok, je capote, je capote. Oui. Bon, fait que là, je commence mon meal prep. Puis la première recette que je vais faire, ça va être la casserole de riz et saucisse saute tomate dans le livre de la fleur comme ça. C'est vraiment simple. Dans le fond, là, je suis à l'étape que mes saucisses sont en train de blanchir dans l'eau. Sauf que là, j'ai peut-être fait une petite erreur, je sais pas. Là, c'est parce qu'il disait de les faire blanchir entières. Puis moi, je les ai faites, je les ai coupées en biseau avant. Eux, ils disaient de les faire blanchir, puis les couper en biseau après, en tout cas. Fait que là, prochaine étape, pendant que ça va bouillir pendant 5 minutes, je vais couper le poivron. Un poivron, un oignon, une tasse de champignons. Puis... Je vais cuire ça 2 minutes dans l'huile. Après, j'ajoute les saucisses. Puis après ça, on ajoute l'ail, le riz, mais je vous dirai ça en temps et lieu. Mais là, je commence par couper mes légumes puis les faire revenir dans l'huile. Ok, fait que là, le riz, dans le fond, c'est ça. On fait cuire les légumes 2 minutes. Après, on ajoute la saucisse, on les fait cuire 2 autres minutes. Puis après ça, on ajoute une tasse de riz à grains longs, comme ça. C'est pour ceux qui savent pas c'est quoi du riz. Une tasse de jus de tomate, une tasse de bouillon de poulet. Ah, il faut mettre de l'ail aussi. Il y a 2 gousses d'ail. Moi, c'est de l'ail déjà haché. 2 gousses d'ail comme ça. Oui, je m'en viens. On capote encore, hein, s'il y a de la main. Puis après ça, on met une demi-cuillerée d'origan séché, 1/4 de cuillerée de thym, puis 1 cuillère à table de paprika, du sel, du poivre. On couvre puis on laisse mijoter de 30 à 35 minutes jusqu'à ce que le riz soit cuit et qu'il ne reste plus de liquide. Puis pour servir, on met du basilic frais si on veut. Ok, c'est juste ça. Fait que moi, je vais continuer à faire ma petite recette. Déjà rendu en 1h40 parce que là, c'est dur de cuisiner avec les enfants qui s'arrêtent aux 30 secondes. Fait que là, quand ils vont arriver, ça risque d'aller plus vite parce qu'il va pouvoir plus s'occuper d'eux autres. Là, mon vlog est toujours en train de télécharger. Il devrait être en ligne dans pas très long. C'est ça, Charlie aussi, elle veut qu'on se fasse un smoothie cet après-midi, fait que on va se faire un smoothie. Ben, je vais faire avec elle, mais elle veut boire un smoothie. Fait que, 13 bananes. On va se faire ça tantôt. Fait que, je continue ma papa. Ben! Bon, fait que le riz à la saucisse, c'est fini, mais il a fait que je rajoute plein de liquide dedans parce que, genre, c'était pas cuit puis ça collait. Mais c'est pas grave, ça a l'air super bon. Puis là, ben, je suis en train de couper tous mes fruits, mes légumes, on a ça des plats. Pour cette semaine. C'est mon petit à barbe Alex. Oh, franchement. La barbe Alex est rendue full longue. Attends, arrête de bouger. Hey, c'est fou, là. Fait que j'en vais couper mes légumes. Salut.
Il est rendu 2 heures, puis Elliot il vient de se coucher pour faire un petit dodo parce qu'il était vraiment fatigué. Là. Ça n'a pas de sens quand il se couche à cette heure-là. Là. Ouf. Hier, il s'est couché vraiment trop tard. C'est la faute d'Alex. Je suis venue me chercher un pansement. Okay. Ça fait vraiment mal, mon bobo aussi. Je me suis fait OK. J'ai de la misère à cuisiner. Okay, je vais me mettre un pansement. Là, je suis en train de faire... J'ai tout coupé mes légumes. J'ai tout coupé mon kale, mes carottes. Ben, j'ai lavé mes carottes, j'ai coupé mes fraises, mon ananas. Là, je m'en vais faire une recette de poulet caramélisé avec des oignons rôtis. Après ça, je vais peut-être faire les pâtes au poulet mexicain au poulet. Mais ça dépend parce que mes parents sont venus faire un petit tour avec ma tante. Elle va aller l'apporter dans son foyer. Fait que je sais pas si j'aurai le temps, mais en tout cas, on va voir. Je vais vous montrer c'est quoi la recette que... Je m'en vais faire. Avec cette recette-là. Poulet caramélisé à l'érable et légumes grillés. Fait que je commence ça. Et voilà! Ça a l'air d'être ça, c'est beau! Ça a l'air bon, ça sent bon. Hé, hey, regardez ça! Je m'ai acheté mes poubelles, puis la cour est vraiment pleine de neige. Il fait froid. Mais hey, je capote. C'est tout blanc. C'est tout blanc! Ah, c'est trop beau. Sauf que là, je suis en t-shirt, puis il fait frette un peu. Mais il n'y a comme pas de mots là, pour vous dire à quel point j'aime l'hiver. Ça n'a comme pas de sens comment j'aime l'hiver. Je vais être malade, faut que je me tasse. Mais j'aime tellement ça. Là. C'est comme tellement féerique l'hiver. C'est magique, là. Genre, il fait froid, puis tu rentres chez vous, puis tu vas prendre une bonne douche chaude ou juste mettre en mou, puis cuisiner, puis boire du chocolat chaud, puis écouter de la musique, puis écouter des films. C'est comme tellement ma saison préférée. Ben, c'est pas l'hiver encore, là, mais tu sais, ça s'en vient, puis... Ah, j'aime ça. J'aime ça. Oh, mais vrai, tu vas chez mes poubelles. Hey, Charlie, qu'est-ce qui se passe? Dans les un jeu de... Non, pas un jeu de souhait. C'est quoi qu'on fait dans le salon? On mange des crêpes. On mange des crêpes? On va écouter quoi? Il va commencer dans 5 minutes. 1, 2, 3... Non, pas 5 secondes, 5 minutes. Oui, je vais aller à la pompe 5 fois 60 secondes. Il dit qu'il va manger une crêpe à cassonade puis nous sirop d'érable. Oui. 5 fois 60 secondes. Ouais, c'est ça. C'est papa qui fait les crêpes avec sa bière. Hey, ça va être bon une crêpe avec une bière? Mmh. Hey, sont toutes la... hey, tes crêpes sont tellement plus belles que les miennes. Mais pour... Alors, c'est la recette la première sur Google que tu fais là, quand tu écris crêpe mince. Là? Ah ouais. Tu peux élaborer. Hein. En tout cas, les miennes. Les enfants disent que c'est tout le temps les tiennes les meilleures. 7, 40, 7, 50, 51, 50. OK, puis ça veut dire que ça prend 4 minutes. Ça commence-tu, Eliette? Oui! Hein? Attends! Tu vas être en cache chercher une bière pour moi et une bière pour toi. Ouais, c'est ça. Que Théo, il est là! C'est Noël, car il neige dans ma tête. Tu bon? Attends, je vais t'aider. Oui, mignon. Hey, c'est-tu bon? Charlie? Ouais? Ta parade, est-tu le fun? Ouais. Wow. Allô? Là, il est rendu 6 heures. On vient d'écouter le défilé. T'as aimé ça, Charlie, le défilé? Oui. Qu'est-ce que t'as aimé le plus? La, Père Noël. Là, t'es en train d'écrire Salut Père Noël parce que nous, c'est samedi prochain notre défilé ici en ville. Puis on va donner la lettre au Père Noël samedi. Elias, lui, il est en plein dedans. Fait qu'on a enregistré le défilé. Je l'ai programmé, tu sais, des fois, on n'a pas pu l'écouter. Puis, il voulait qu'on le recommence. Fait que là, on l'a recommencé. Puis, il arrête plus de chanter ça. Fait que c'est ça, c'était notre, une de nos traditions à chaque année qu'on fait depuis que Charlie est né. Là, je me souviens. Ouais, non, pas vrai.
Chaque défilé, on fait un souper dans le salon. On mange en salon. Ouais, donc là, ouais, tout le temps. On a tout à fait ça. Je crois qu'on a pas manqué une année depuis que Charlie est née. Là, je vais faire ma petite vaisselle. On n'a pas beaucoup parce que c'est juste la vaisselle des crêpes. Là, j'avais tout fait la vaisselle de la popote aujourd'hui. Puis j'ai un autre bouton là. Puis ouais, je suis assez quand même satisfaite de ma journée popote. Là. J'ai juste fait deux recettes, mais c'était deux bonnes recettes. Là. Ça fait quand même deux soupers. J'ai congelé le reste de mon poulet pour faire mon autre recette cette semaine. Puis j'ai encore du saumon à cuisiner cette semaine que j'ai congelé. Puis, c'est ça, j'ai tout pris mes légumes, tout est prêt. Fait que, tu sais, ça va être vraiment facile pour la semaine. Un chapeau! Fait que, ouais, je suis assez satisfaite quand même. C'est sûr que j'avais pas de visite, j'aurais pu tout faire ça, mais. Bravo! Je l'ai vous montré. Ma mère, elle m'a emmené un petit cadeau. Je suis trop heureuse. Regardez ça. C'est la chandelle champagne pétillant de chez Avon. Attendez un petit peu. Je vais vous la montrer comme il faut parce qu'elle est vraiment belle. Elle est blanche, mais le pot il est beau. Je suis vraiment échevelée. C'est tant que je me suis battue avec Elliot dans le lit. Comme ça. Okay. Champagne pétillant. Puis c'est une chandelle à 3 mèches. C'est des grosses chandelles comme ça. Pis c'est fou là, mais elle sent vraiment les bulles. Je sais pas. Je l'aime full. Pour vrai, j'ai tellement hâte de la faire brûler. Mais là, je fais brûler une chandelle Glade en ce moment, là, la rouge là, du temps des fêtes. Là, je me souviens plus à quoi parler. Quoi? Les chips? Puis là, j'ai sorti ça. On a fait des petits souris, puis on est en train de les oublier. C'est les Cheetos en petits flocons comme ça. Ils sont trop belles. Je vais t'en donner 2-3. Fait que tu sais, ça, là, Alex est en douche, puis quand il va sortir, ben, je vais faire ma vaisselle, puis après ça, je vais prendre ma douche moi aussi, Charlie aussi. Oui. Charlie, elle va écouter la finale de La Voix Junior. Ben, jusqu'à 7h30. Elle va écouter le reste demain. Alex va peut-être un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais faire du montage. Parce que sinon, moi, faudrait que je fasse le montage ce soir. Pour avoir un vlog à mettre en ligne demain. Puis aussi, je vais écouter, il me reste un épisode de Criminal Minds pour finir la saison 12. Donc, j'aimerais bien essayer l'écouter parce que ça a fini comme réel l'autre épisode de vendredi, puis j'ai pas pu l'écouter depuis. Fait que c'est sûrement ça que je vais faire. Fait que. Avec mon oreille, elle va super bien. Elle est encore un petit peu bouchée, là, mais pour vrai, là, ça va vraiment bien. Puis demain, je vais faire des cartes de Noël. Donc, j'ai quelques amis qui vont en recevoir bientôt des cartes de Noël. Je vais les faire bientôt, mais je vais peut-être les poster comme avant le 1er décembre. Je vais arriver. Bon, mais en tout cas, je vous laisse là-dessus. Fait que je vous dis bonne soirée et on se parle demain. Salut!